McLaren, l'écurie la plus enthousiasmante sur la deuxième moitié de saison 2023 de Formule 1, a fait les choses à sa manière pour sa présentation 2024. Pour ne pas dire n'importe comment, ils nous ont lâché la livrée comme ça en janvier sans prévenir. Puis la voiture finale, pareil, on avait la date mais pas l'horaire. Bon, apparemment c'était pas quelque chose de très important pour eux. Mais voici la nouvelle McLaren MCL38. En 2024, McLaren fait évoluer sa livrée par rapport aux deux années précédentes où elle se ressemblait énormément, et le changement prend déjà la forme d'une simplification. Il y a moins de couleurs, noir et orange, ça suffira. Bon, je dis noir, mais vous vous doutez bien que tout ce qui est en noir, ce sera du carbone. On va bien évidemment ne pas peindre la voiture pour l'alléger. Avec également une petite référence aux couleurs des McLaren sponsorisées par Marlboro, à l'époque Senna Prost notamment. Alors oui, là comme ça, ça saute pas aux yeux, mais si vous regardez bien, c'est vrai que le découpage des couleurs se ressemble énormément. On a repris à peu près les mêmes formes, et personnellement, je la trouve vraiment sympa. Elle me fait un peu penser à la McLaren qu'il y avait eu pour le Grand Prix de Singapour notamment l'année dernière, mais surtout, je suis content qu'ils en aient terminé avec cet empilement de couleurs. Bon, il y a encore les logos chrome sur les cages jantes, ça on peut pas y faire grand chose. Mais voilà, déjà qu'il y a énormément de sponsors sur cette voiture, c'est déjà bien si les couleurs sont plus simples. Et au global, je trouve cette voiture plutôt jolie. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais personnellement, je trouve que c'est une évolution dans le bon sens. On conserve l'ADN McLaren. Bon, le carbone, il était nécessaire, mais je le trouve mieux intégré qu'auparavant. J'ai souvent été dur avec les livrées McLaren, mais là, franchement, c'est pas trop mal. Reste plus qu'à m'enlever encore quelques sponsors, hein, notamment le chrome, il est vraiment trop gros. Mais on est vraiment sur la bonne voie, comme McLaren en piste depuis un an. La MCL38 est une belle évolution de sa prédécesseur. On vous le rappelle, hein, mais l'année dernière, McLaren avait très mal commencé l'année. C'était extrêmement compliqué sur les premiers Grands Prix de la saison. Et puis à partir de l'Autriche, l'écurie avait apporté un énorme package d'améliorations et avait fait un bond absolument fulgurant jusqu'à devenir la deuxième force du plateau sur la deuxième moitié de saison. C'était assez impressionnant comme remontée de la part de McLaren. Et donc forcément, l'objectif cette année, c'est de continuer dans cette lancée. Maintenant, Andrea Stella, le patron de l'écurie, a très sincèrement affirmé qu'il n'avait pas encore atteint tous les objectifs de développement qu'il s'était fixés. Donc cette MCL38 ne correspond pas encore à toutes les attentes de McLaren. Il faut bien le prendre en compte et se dire qu'il y aura encore des évolutions. Maintenant, sur ce que l'on a déjà, les pontons sont dans la même philosophie de ce qu'on avait en deuxième moitié de saison dernière. Bien évidemment, on s'est rapproché de ce que fait Red Bull, mais là, ça me fait pas mal penser à ce qu'on a vu cette année chez Ferrari, avec un ponton donc assez massif, mais qui redescend assez rapidement sur l'arrière, qui est très sculpté sur le dessous, pouvant laisser passer un assez gros flux d'air, et avec une glissière, cette sorte de trou de toboggan à l'intérieur du ponton, qui va faire redescendre l'air sur l'arrière de la monoplace. Là où McLaren se distingue en revanche, c'est sur les entrées d'air qui nous ont quand même un petit peu cachés. On ne les voit que sur cette photo véritablement, sinon ils sont difficiles à observer. Mais vous voyez que l'on ne retrouve pas cette fameuse pelle de chez Red Bull qu'il y avait sur la MCL37. Donc on a vraiment fait évoluer la voiture de l'année dernière avec une entrée d'air qui est assez épaisse, assez haute, mais qui en revanche n'est pas très large, donc philosophie assez spécifique chez McLaren. Et puis du côté de l'aileron avant, on a conservé à peu près la même philosophie, le museau a toujours à peu près la même forme, il repose toujours sur le deuxième plan horizontal de l'aileron, il a simplement l'air d'avoir été un petit peu affiné, il est un peu moins large que l'année dernière. Au global, McLaren fait tranquillement évoluer un concept qui a très bien marché sur la deuxième moitié de saison 2023. L'an passé, McLaren était vraiment la sensation de la deuxième moitié de saison 2023, à un moment où personne ne s'y attendait vraiment. Le début d'année avait été catastrophique, il y avait eu aussi une réorganisation avec le départ d'Andreas Seidel et la promotion d'Andrea Stella qui rassurait pas franchement les observateurs. Mais force est de constater que McLaren a travaillé en silence et a très bien travaillé jusqu'à une progression, on le disait, absolument incroyable. Maintenant, en 2024, les attentes sont bien plus élevées parce que McLaren paraissait la seule être capable de concurrencer à certains moments Red Bull en phase de course sur la deuxième moitié de saison. Et c'est ce que l'on va attendre d'eux, forcément, en 2024. Alors, de ce qu'ils nous disent, la voiture n'est pas encore au top de ce qu'ils attendent. Donc, en début de saison, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, on attend clairement une confirmation de ce que l'on a vu en 2023. McLaren doit se maintenir en haut avec les top teams. Et le défi est de taille. On en attend beaucoup d'eux cette saison. Et pour être tout à fait honnête,
ça me fait un petit peu peur. Voilà, je me demande si on regarde pas un petit peu trop McLaren en oubliant des Ferrari, des Mercedes, qui donnent quand même ces dernières années plus de garanties quant à leur capacité à se maintenir au plus haut niveau. Maintenant, McLaren, ça y est, ils sont enfin arrivés en 2023. C'est dans leur courbe de progression logique. Il va falloir maintenant montrer qu'ils sont capables d'y rester. Si problème il y a, il ne viendra a priori pas du duo de pilotes. Là-dessus, normalement, on n'est pas trop mal. Lando Norris rempile pour une 6e saison avec l'écurie et il s'affirme aujourd'hui comme l'un des meilleurs pilotes du plateau. Maintenant, il a un objectif clair et net, aller chercher une victoire. 13 podiums, 0 victoire. Il est l'heure maintenant pour le Britannique, que l'on a parfois vu un petit peu friable lorsqu'il fallait vraiment se battre pour la première place. Quand il faut se battre pour des podiums là-dessus, il n'y a aucun doute, il est excellent. Maintenant, il doit nous prouver qu'il est capable encore d'élever son jeu pour un jour espérer se battre pour un championnat du monde. C'est d'ailleurs ce que l'on promet à son coéquipier, le jeune Oscar Piastri, qui n'entame que sa 2e saison en Formule 1. Et pourtant, on a l'impression que ça fait un moment qu'on le connaît, champion de F3, champion de F2. Il s'était fait remarquer lors de son année sabbatique en signant chez McLaren alors qu'Alpine avait annoncé son arrivée. Et malgré ça, qui a signé une superbe saison rookie en 2022, qui a souvent été au niveau de Norris, qui a gagné un F1 Sprint, qui a fait des podiums. Bref, 2023 était une année assez incroyable pour Oscar Piastri, qui va maintenant devoir confirmer. Il avait cet avantage l'année dernière que quand il avait une course un petit peu plus compliquée, quand pendant 2-3 week-ends on ne le voyait pas, bon bah c'était sa saison rookie, on ne s'inquiétait pas vraiment. Maintenant on va attendre de lui de la régularité, qu'il soit toujours dans le rythme de Lando Norris. On sait qu'il peut y être par épisode, ça y a pas de souci là-dessus. On va attendre juste plus de constance en 2024. Une présentation très anonyme, en deux temps, des réserves quant au niveau de performance de sa monoplace en 2024. Et pourtant McLaren suscite de très très grosses attentes cette année. La question est maintenant de savoir si oui ou non elle pourra y répondre sur la piste.